Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour l'épisode 13, il me semble, de l'Empire de MDJ. Un let's play sur un jeu sorti sous Windows 98 et qui s'appelle le César 3. Donc, on était arrivé sur une nouvelle map avec des indigènes qu'on a réussi à dompter assez facilement. Et avec quelques prises de bec avec Monsieur César, on a réussi à remonter nos finances plutôt pas mal étant donné qu'on est à 16 000 denari de sous. Et donc on remonte la pente. On manque un petit peu finalement de population. On remonte dans la faveur de César au niveau culture. On est bien, il manque juste quelques écoles. Enfin, oui, il manque des écoles et puis il va manquer des universités après. La prospérité est censée augmenter avec la culture, je pense. Et au niveau P, de toute façon, on a le niveau requis et malgré les manifestations qui ont eu lieu. Pendant qu'on était en prise de bec avec César, et ben on a plutôt bien remonté la pente. On doit atteindre une population de 5000 et nous sommes actuellement... Je sais pas si je peux vous le montrer tel quel. Si, évolution démographique. Excusez-moi, attendez. Voilà, excusez-moi. On est, voilà, vous voyez à peu près, hein, on est au-dessus des 2000. On est précisément à 2100, je sais que vous pouvez pas le voir, mais on est à 2112 exactement actuellement. Ça rechute. Pourquoi ça rechute? Non, ça remonte. Enfin voilà, ça chute, ça remonte, mais en gros, c'est ça. Et les chats là, les chats. Non, non. Oh, ils sont infernales. Bon, excusez-moi. Hausse des prix pour le vin. Ok, pas de bonne nouvelle. On a rien d'apporté dans ce temps. Tant pis. Oh non, non, non! Allez, oh, excusez-moi, attendez, ellipse. Voilà, veuillez m'excuser d'avoir peut-être hurlé dans vos oreilles, mais les chats sont venus dans ma piole et ont foutu un peu le bordel. Donc je disais, il y a eu une hausse du raisin, donc résultat, eh ben, ils avaient qu'à pas augmenter le raisin. On arrête d'importer. Bon, on va restocker... pour Monsieur César qui commence sérieusement à nous casser les rouleaux. Le marbre, j'espère qu'il va pas nous en redemander d'ici peu, mais on va réduire pour en réexporter massivement. On est à 20 000 en argent, donc c'est bon. Il y a beaucoup de glissements de terrain, donc ce qui signifie que... Voilà, on a le stock pour l'empereur, déjà. Je disais, donc, on a des glissements de terrain, donc résultat, le... on a des ralentissements au niveau de nos imports et de nos exports. C'est un peu dommage, mais bon. Qu'est-ce qu'on a? Donc, qu'est-ce que j'ai dit là, à l'instant? Oui, on arrête de stocker la viande. Voilà. On fera ça, on stockera, on déstockera la viande pour la population. Et ici, ça a du mal à arriver. Saturer un autre, je sais pas pourquoi. Je le savais. Bon, moi je vous propose c'est qu'on se fasse un festival. Allez, en l'honneur de Vénus. Allez, hop, un festival grandiose. Attention. Et il aura lieu. J'ai pas vu dans combien de temps il aura lieu et j'ai encore...
Excusez-moi, mais j'ai un jeune chaton à la maison et il commence à jouer avec mes nerfs. Pourtant, on lui a expliqué que c'était pas une bonne idée. Alors, le festival organisé par vos soins ces deux derniers jours s'achève. Le dieu qu'il célébrait est honoré. Votre peuple ravi et la bienveillance prévaut. Ok, pas tant mieux. On s'en organisera un autre en l'honneur de notre dieu. Je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait le... Ah d'accord, ok. Venus est charmé. Enfin, ce serait marrant, ce serait de flatter tous les dieux et de réactiver l'affluence des dieux. Comme ça, on pourrait avoir leur... On pourrait avoir leurs avantages. Mais bon. Mais ce serait un peu cheaté, quoi. Je pense l'influence des dieux, on joue avec ou on joue sans, quoi. C'est pas on joue avec si ça nous avantage. Je pense pas que... Les poteries. Eh oui, il était temps. Il était temps, je devais créer des poteries quelque part. Et il était question d'un entrepôt quelque part. Cet entrepôt, moi, vas-y. Comment je peux gérer encore l'affaire. Juste une question sur les meubles. Non, on peut pas en exporter. Le vin, pareil. Et niveau bouffe, par contre, les mecs, ils consomment. Bon. Ou alors... Ah bah non, parce qu'on a... On a ce qu'il faut.
On en est au niveau population. On a du chômage, mais très peu, dans la limite du raisonnable. Donc, on va se pencher sur nos demandes. Et nos demandes portent sur les écoles. Je verrai ce qui leur manque après, parce que j'ai envie de les faire un petit peu évoluer quand même. Ça va être dur. Qu'est-ce qu'il vous faut? Distraction, allez, c'est vrai. Voilà pour vous. Après, je suis sûr que vous allez me demander une terme. Résultat, j'ai plus de place pour leur mettre l'école. Quel con. Je ferai un mini. Ils ont de la vie dans la profusion. I'll tell you what, it'll be quicker to push these goods to Rome than where I'm going. Charriez pas les mecs. Est-ce qu'il faut tout de même un entrepôt de blé quelque part? Je sais pas. J'ai jamais compris là, parce qu'on en produit du blé et pourtant. Hein. On va essayer d'en mettre. De toute façon ici ils sont motivés les mecs. Pourtant là-bas il n'y a que. Faut pas déconner, là ici, il n'y a que 6. Enfin il n'y a que 8, il y a que 6 unités de porc et j'ai un entrepôt plein de porc. Je suis sûr que c'est exporté à travers toute la ville en plus. Et. Non, pas motivé les mecs. Bon. 100% pour voir ce que ça donne. Putain, l'entrepôt il est un blaze. Comment qu'on m'explique? Bon. Ça va très bien, et donc... Bon. Ici pour
écrasé entre genoux. L'important c'est qu'il fonctionne. Il y a de cela deux missions, tu me réclamais des fruits, maintenant tu me demandes de la viande. Ça va se demander si je suis gouverneur ou si je suis ton cuisinier. Enfin, bon. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? C'était quoi ça? Université. Bon. César, voilà ta demande. Et la viande, vous me la déstockez. L'attitude de l'empereur, ouais, tu sais, tu peux te la coller de l'attitude. Beaucoup de manœuvres. Ouais, on a une immigration là, pourquoi? Tout mis en plaza, je vous réponds. Alors j'ai 71 000 en argent et 2400 en population. Il reste 9 minutes au chrono. Ici ils sont toujours en manque de nourriture. Casser les rouleaux pour cet épisode. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, manque de population de toute façon. Donc, création de population. Alors déjà, où est-ce qu'il manque D'accord, il manque ici. De toute façon, ici déjà. Sauf que la population, on va la créer ailleurs. On va la créer là. Je vais tuer ce chat. Je vous jure, je vais le tuer. Thank you.
Ok. Ensuite, on a le petit temple qu'on va changer. On va mettre. On va mettre Cérès. Un théâtre. Une terme. Non, ici c'est ouvert. Un théâtre, une terme. Une bibliothèque. Une école. On va même leur coller une université parce qu'on en manque. J'avais dit qu'il y en avait qui payaient pas d'impôts et qu'il fallait que je leur tape sur les doigts. On va voir tout à l'heure. Ok, 6 minutes au chrono. Excusez-moi. Voilà. 75 000 en sous. Toujours 2400 population. Mais en même temps, on est en ralenti, donc c'est pas censé changer énormément. Qu'est-ce qui manque? On va partir du côté des impôts. Pour voir quels sont les folichons qui en payent et qui n'en payent pas. Bah alors, tu m'as raconté des conneries, toi. 93%. Bon, donc il doit y avoir deux ou trois maisons qu'on peut payer, mais... Ok, on va partir sur du normal. On va aller à une vitesse de 100%. Ok, 2500 population, 16 000 en dessous, donc ça augmente, pas de soucis. Aucun souci, aucun souci. 9 forces de travail réaugmentent. Et on a le niveau de culture requis. Il nous manque plus que la prospérité. Toujours la dernière chose qui est chiante à avoir. Bon. Il y a encore le chat qui a gratté quelque part. Je sais pas où il est en train de jouer avec un de mes câbles et je sais pas où il est. Mais laisse-moi tranquille. Je suis sur le point de passer les 3000 habitants. Mais ça augmente très très doucement. Ici, je manque vraiment de population. Ah, je te tiens. Ah, allez. Je te tiens. Hop, tu te mets là et tu te calmes. Bien, regarde, regarde. Excusez-moi, j'ai le chaton dans les bras là. Alors, non, j'ai redescendu en population, je suis à 86 000 en sous. Tu veux dire quelque chose au. Tu veux quelque chose au viveur? Non? Miaou, miaou, bah oh, d'accord. Allez, attends. Ah. Bon, on va voir dans les. Non, c'est ça, va te battre avec ta mère. Je vais pas y arriver. Je vous jure, je vais pas être tranquille avec les chats. Bon. Voyons voir les problèmes. Pas l'air de trop en avoir. Des entrepôts pleins ou des manques de population en fait. Donc .
et 3000 citoyens. Toujours cette petite tache verte là en bas de... c'est un petit bug de texture apparemment qui est dans le jeu. On va passer à 90% le temps juste de voir un truc. Il me faut de la population ici. Il m'en refaut. Donc on va en refaire. Et malheureusement, je ne peux plus importer d'eau là-bas. Ou alors peut-être aussi. Je vais faire un micmac avec la flotte. Aïe 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 aïe. Toute petite zone. Écoutez, c'est la fin de cet épisode. C'est juste un peu de plaza. De nourriture toujours. On va leur mettre un petit. On va leur remettre un petit marché quand même, mais normalement ils sont pas si loin que ça de l'autre. Donc c'est bon. Oui, j'ai compris le timer. Faut que j'évalue là, faut que j'évalue un petit peu. Donc on est toujours un petit peu en manque de population. Sachant qu'on peut faire quelque chose. Il y a un truc qu'on peut faire, tout simplement, qui est très très bête. Non, même pas ça. C'est que le vin, on en produit et on n'apporte plus de raisin. Donc on a. On peut très bien mettre tout ça en inactif. Et ça va remonter nos forces de travail. Oui, c'est les armes montées. Quelle autre industrie on ne se sert pas? Ah bah chez la poterie, on a du mal à exporter là. Bon écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Et je vous dis à bientôt.